Voici une nouvelle compilation d'images spectaculaires de sport extrême outdoor qui met un accent particulier sur les prises de vue embarquées. Que ce soit en BMX, motoneige, voire sur une sorte de gigantesque balançoire, on vous recommande de vous accrocher à votre fauteuil parce que cette vidéo-là, elle envoie sérieusement du lourd. Le skateboard, ce n'est pas seulement une pratique californienne, comme nous le prouve à merveille ce petit film Adidas Skateboarding tourné au Mozambique. C'est le team sud-africain de la marque aux trois bandes qui se met en scène ici, dans un trip à Maputo, capitale du Mozambique. Preuve s'il en est du dynamisme d'Adidas dans l'univers du skate, qui semble être un des axes de communication privilégiés de la marque en ce début 2012. Le film, formellement très beau et plein de bonnes vibrations, a été réalisé par Adrien Louve et Sam Clark sur une bande-son d'Oli Demeret. Félix Baumgartner est bien décidé à battre le record du monde de chute libre et son entraînement se déroule dans la stratosphère. I had to work a lot to understand the system, understand engineering and understand how the capsule works and the seat works and what's waiting up there. Pour battre le record de saut en chute libre, il lui faudra se lancer à plus de 36 000 mètres d'altitude, à la frontière de l'espace. Il atteindra cette incroyable altitude à bord d'une capsule portée par un ballon d'hélium spécialement conçu pour cet exploit. Afin de se préparer pour le grand saut qu'il compte réaliser cet été, Baumgartner vient d'effectuer un premier saut test à seulement 20 000 mètres. L'opération aura duré 1h40 et le best jumper autrichien a atterri sans encombre dans le désert du Nouveau-Mexique, à quelques 40 km de Roswell, où se situait la base de lancement de la capsule. Le drifting est l'une des techniques de conduite les plus spectaculaires et les réalisateurs de ce teaser militent pour qu'elle soit la plus fun possible. Leur film dont voici la bande-annonce s'intitule Keep Drifting Fun et à la vue de ces images très très enlevées, ils semblent avoir réussi leur pari. Les deux gars derrière la caméra, Will Rogue et Joshua Aaron, sont deux techniciens de l'image spécialisés dans les sports automobiles et le moins que l'on puisse dire c'est que cela se voit dans leur réalisation qui donne la part belle au brûlage de gomme sur bitume. Voici une vidéo qui va régaler les amateurs d'électro, de surf et de jolies filles. On peut dire que c'est une vidéo qui fait le tour de la question. On doit cette œuvre éditorialement très forte au musicien Alexei Slegov qui nous vient de Russie. Côté musique, on n'est peut-être pas totalement séduit, mais le scénario du film nous enchantera sans doute encore quelques temps.
Thank you.